bonjour Marie. Bonjour. Noël arrive à grands pas. Ben c'est ça. Vous avez du coup fait une petite sélection de vos beaux produits dans votre boutique Alice Braise. Le produit phare de notre collection qui est le vêtement, l'éternel t-shirt humoristique que l'on ne présente plus. Mais on a également, en dehors de nos vêtements, des torchons cette année. Ah, les beaux torchons. Les beaux torchons. Apérobiques en plus. Génial. Voilà. Avec des designers toujours finistériens ? Oui, tous nos produits sont dessinés à Morlaix. Une boîte à bonbons, des chaussettes, il y en a aussi pour les bébés, en fait il y en a pour tous les âges. On a une gamme de produits vraiment très large qui va de 5 euros à 80 euros. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Bonjour Fabienne. Bonjour Priscilla. C'est un Noël où je veux consommer local. Ici on n'a que des pièces authentiques. Tout est fabriqué ici, sur place, façonné, décoré, émaillé à la main. Par exemple, celui-ci, ce petit collier super sympa, on est à quelle gamme de prix ? Alors là, on est à 63 euros. On a des bijoux plus simples également, ça part à partir de 39 euros. 30 pour le jonc ici. Mais à chaque fois, le point commun de tous ces bijoux, c'est au cœur du bijou, c'est la céramique. Alors, je vous propose d'essayer celui-ci, par exemple. Ah oui, rouge comme Noël. Voilà. Ben ça, c'est un peu notre chouchou parce que c'est l'oreille du bol, en fait. Ouais. C'est génial. Maintenant, direction les jouets. Bonjour Vincent. Bonjour. Moi, cette année, c'est un sapin de Noël local avec des cadeaux bretons. Chez Jeux Jouétiques, on vous propose des jeux et des jouets qui sont tous fabriqués en France ou en Europe. Et on a même des jouets fabriqués dans le Finistère. Des jouets fabriqués à Douarnenez, 100% dans le Finistère. Génial. Laure et Lula, c'est une toute petite entreprise où travaille Laurent, qui est un ancien charpentier de marine, qui lui a décidé de fabriquer des jouets en bois. Moi, j'adore la mer, Vincent. Alors là, on a des petits bateaux qui sont fabriqués en Ille-et-Vilaine par une entreprise artisanale familiale qui en est à sa troisième génération. Tous ces petits bateaux, bien évidemment, flotte. Si le petit canote coûte environ 12 euros et les voiliers, les 75 à 100 euros. Là, c'est le gros succès de ce Noël. C'est le succès depuis 2-3 Noëls déjà. C'est un tableau fabriqué à Gwengate par JB Bois. Son succès réside dans le fait que c'est une copie conforme du tableau que vous aviez dans votre école quand vous étiez en primaire ou en maternelle. Ça y est, j'ai mon Noël local. Maintenant, je vais montrer tout ça au Père Noël.